20 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 3 millions de francs CFA pour 15 ex-dirigeants de la filière café-cacao. Ces 15 sont également frappés de confiscation de biens et d'interdiction de droit civil pour une période de 5 ans. 5 de ces condamnés, Henri Amouzou, Théophile Kouassi, Firmin Kouakou, Angéline Kili et Jean-Claude Bayou, devront encore payer à l'État le montant cumulé de 67 milliards, 120 millions de francs CFA, à titre de dommages et intérêts. Leur peine, selon la justice, est aggravée par un fait. Les actes qui leur sont reprochés ont été commis pour la plupart après expiration de leur mandat à la tête des structures qu'ils dirigeaient. Un verdict contesté par la défense. Il a pris 20 ans, mon client, M. Tabedo. 20 ans comme Amouzou, 20 ans comme Tano Kassi, 20 ans comme bien d'autres. Je trouve que c'est excessif et que le droit n'a pas été pénétré par ce qui fait sa force, la vérité. Je félicite le tribunal et son président pour avoir rendu sa décision, pour nous avoir libérés et nous avoir donné ainsi les éléments de la poursuite de ce procès en appel. Et il y en a les éléments. La justice, pour sa part, soutient un procès équitable en ce qui concerne les 5 chefs d'accusation. Détournement de deniers publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. Elle prescrit aux condamnés et leurs avocats 2 jours à compter de ce mercredi pour faire appel.